maintenir les sanctions occidentales contre la Russie, décidées après l'annexion de la Crimée en 2014, c'est ce que souhaite le président polonais Andrzej Duda. Une déclaration faite alors qu'il recevait pour la première fois ce samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Varsovie. Demain, les deux chefs d'État participeront ensemble aux célébrations qui marqueront le 80e anniversaire du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Notre position vis-à-vis de la Russie est très claire. Nous n'acceptons absolument pas l'annexion par la Russie de la Crimée. Nous pensons que les sanctions doivent continuer car c'est le moyen le plus pacifique de forcer un pays à se conformer aux normes du droit international. Volodymyr Zelensky, lui, s'est prononcé pour une coopération énergétique entre l'Ukraine, la Pologne et les États-Unis. Mais il a renouvelé l'opposition de son pays à la construction du gazoduc Nord Stream 2, qui doit relier la Russie à l'Allemagne.